Et cette année, comme vous avez vu, peut-être on a organisé un peu plus de choses que l'année passée, puisqu'en plus de cette conférence, on a organisé les POC Conf Days, donc c'est-à-dire une série de conférences qui se passaient aujourd'hui et demain. Donc si vous n'y êtes pas allé et si vous venez pas au hackathon, je vous conseille d'y aller demain. Donc il y a plusieurs conférences toute la journée. Et donc ce soir, on a la chance d'accueillir Matt Gaunt, qui est développeur advocate Google TV, donc chez Google, qui est basé à Londres, mais qui est de passage à Paris. Donc par contre, ses présentations vont être en anglais. Donc il va essayer de parler doucement, mais j'espère que tout le monde comprendra. Il va faire deux présentations sur Google TV. La première, ça sera plus une introduction générale. Et la deuxième, ça sera plus orienté sur les API spécifiques Google TV. Donc je laisserai après présenter plus en détail. Entre les deux présentations, on fera un petit break avec quelques petites présentations. Et à la fin, donc ceux qui participent au hackathon iront commencer le hackathon. Donc par contre, le pot se fera pas ici. On n'a pas pu l'organiser ici, donc on l'organise à Isance, donc dans les locaux d'Isance, au même endroit où aura lieu le hackathon. Donc ceux qui vont au hackathon pourront s'y rendre directement. Et les autres sont les bienvenus aussi pour venir partager les pizzas et parler autour d'un verre. Donc voilà, avant que je laisse la parole à Matt, j'ai quelques petites choses à vous annoncer. Donc déjà, je voulais vous parler du prochain Be My App. Donc il y a John qui est dans le public. John, si tu veux venir dire un mot sur le prochain Be My App. Putain, c'est classe ici. Bonjour, bonsoir. Je vais être très rapide. Bravo au POG et à cette conf. Je trouve ça incroyable de faire ça dans cette salle. Franchement, bravo à Stéphane, bravo à Eyal, bravo à vous tous. Cédric, évidemment. Je sais pas où il est, Cédric, mais vous pouvez vraiment l'applaudir parce que je trouve ça incroyable de faire une conf ici. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner. À mon niveau, Be My App, je ne sais pas si vous connaissez, on organise des événements. Donc là, par exemple, ce soir, vous allez avoir un hackathon. Et je vous conseille vivement pour ceux qui ne sont pas encore motivés d'y aller, parce que de ce que j'en ai vu, ça va être pas mal du tout. Et pour les encore plus motivés, la semaine prochaine, on fait un autre événement. C'est avec Dailymotion. Le principe, c'est de créer des applications mobiles en 48 heures chrono en utilisant de la vidéo. Et toutes les thématiques sont possibles, des applis de vidéo qui utilisent du stream, qui utilisent le contenu Dailymotion, des applis, donc faire des jeux, faire des réseaux sociaux, faire des trucs de montage, j'en sais rien à la limite. Mais l'idée, c'est de venir, de faire des applis sur Android, mais aussi sur d'autres plateformes éventuellement. Et y a des petites dotations sympas. Bon, premier prix, c'est du MacBook. Voilà, deuxième prix, des Galaxy Nexus, des Nexus 7. Je vous invite tous à aller sur le site bimayap.com pour vous inscrire. Bimayap.com, hein? Non, c'est bon. Donc bimayap.com et venir me voir pour en discuter. Et voilà, bonne conférence. Je voulais vous dire un mot aussi sur deux autres événements qui vont se passer ce mois-ci et le mois prochain. C'est l'AndroidCon à Londres, déjà, donc qui est le 25-26 octobre, de mémoire. Si vous y allez, n'hésitez pas à venir nous voir, nous on y sera, donc ça serait cool qu'on se voit là-bas. Et le deuxième événement, c'est le GDG Nantes qui organise DevFest. C'est en novembre, je crois que c'est le 9 novembre, et c'est un vendredi. Donc voilà, s'il y aura plein de conférences sur les technos Google, en particulier Android, il y a des super speakers qui y vont, donc ça sera à Nantes, mais si vous voulez y aller, c'est un bon événement aussi.